L'un des plus anciens super-héros de l'écurie Marvel va avoir droit à sa série sur Disney+, Simon Williams, alias Wonder Man. À côté des séries sur des héros déjà vus sur grand écran, à l'image de Loki ou Falcon et le Soldat de l'Hiver, Disney+, propose des shows sur des personnages inédits en live à la télévision ou au cinéma comme Moon Knight et Miss Marvel. Un autre nom va prochainement rejoindre leur rang, Wonder Man. Un acteur proche de Wanda et Vision The Hollywood Reporter a en effet partagé qu'une série centrée sur Simon Williams, cet ancien super-vilain au pouvoir surhumain, force, vitesse, endurance, agilité, créé par Stan Lee en 1964 et devenu à la fin des années 70 un Avenger, est actuellement en préparation pour la plateforme de streaming de Disney. Un projet produit par le réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, destin Daniel Cretton, et scénarisé par Andrew Guest, qui a notamment travaillé sur les comédies Brooklyn Nine-Nine et Community et plus récemment été producteur consultant sur la série Hawkeye. Le développement de Wonder Man en est encore à ses débuts mais, si tout se passe bien, le tournage pourrait démarrer dès l'année prochaine. On ne sait en revanche pas sur quel arc des comics la série sera basée, cela pourrait, par exemple, être sur la carrière de cascadeur et d'acteur du personnage ou bien sur sa relation avec Vision, à qui il a servi de modèle, et Wanda, pour qui il a développé des sentiments. Qui pour l'incarner? S'il est trop tôt pour savoir qui se glissera dans la peau de Simon Williams pour cette série, les fans ont déjà leur favori, Nathan Fillion. Et ce, car l'acteur de Castle a déjà prêté ses traits au plus hollywoodien des super-héros Marvel. On pouvait en effet le voir sur des affiches de faux films dans une scène coupée des Gardiens de la Galaxie 2, réalisée par son ami James Gunn. Les producteurs de Wonder Man choisiront-ils de rappeler Nathan Fillion? La balle est en tout cas dans leur